Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolou Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 10. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts dans les 10 secondes après avoir atterri d'un vol déclenché par un geyser. Donc si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, n'hésitez pas à mettre mon code créateur SoikoolMecYTB dans la boutique de Fortnite, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage, let's go! Première astuce que je vous conseille, c'est tout simplement de demander de l'aide à vos amis, donc en activant l'aide de groupe pour ce défi. Comme ça, s'ils réalisent le défi, ça comptera pour vous et pour eux en même temps. Alors deuxième astuce que je vous donne, c'est de faire ce défi dans foire d'empoigne. Comme ça, vous allez pouvoir réapparaître plusieurs fois si jamais vous n'avez pas réussi la première fois. Et en plus de ça, vous réapparaissez avec votre stuff. Alors pour réussir ce défi, je vous conseille d'aller là où il y a des geysers, donc tout près du volcan, il y en a vraiment tout autour. Après, il y en a quelques-uns qui se trouvent dans la map, mais je vous conseille vraiment de le faire autour du volcan. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Alors ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous stuff. Ensuite, quand vous êtes stuff, ben, vous voyagez comme ça, de geyser en geyser. Jusqu'à temps que vous voyez un ennemi. Là, moi, logiquement, j'en avais vu un. Là, je ne le retrouve pas. Donc, dès que je vois un ennemi, je vous montre comment c'est. C'est pas compliqué hein, de faire ce défi, mais comme ça, je vous montre. En plus de ça, regardez comment c'est facile de voyager de geyser en geyser. Parce que, à croire que tous les geysers, on peut tous les rejoindre sans toucher le sol, quoi. Regardez, j'ai de la lave, j'ai été à un autre geyser juste ici. Puis après, ben, je peux aller soit vers la gauche, là, il y en a encore un. Là au bout, il y en a encore un. Je peux aller carrément à celui là-bas. Je peux vraiment aller partout. Attendez, là j'entends un ennemi qui vole près de moi. Ah regardez, là il y a un ennemi. Donc là je vais sortir mon pompe et je vais lui défoncer sa race. Hop. Voilà, 150. Est-ce que ça a validé le défi? Parce que franchement j'ai pas mis 10 secondes. Ah si. Voyons voir. Ouais c'est bon, ça a été validé. Par contre, ils m'ont calculé que 40 de dégâts alors que j'ai fait 150. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors je vais tout simplement continuer à voler. Et jusqu'à temps que je retrouve un autre ennemi. Et je vais quand même essayer d'avoir un meilleur shoot. Parce que j'ai loupé ma première balle. Ça c'était pas trop cool. Regardez là je peux aller jusqu'à ce geyser là. Donc là je vois qu'il y a un ennemi, il est juste là. Donc il est en train de faire la même technique que moi. Donc je vais attendre qu'il se pose quelque part. Donc voilà, là il s'est posé là. Donc ok, on va essayer de... Ah ça va être compliqué. Ou peut-être pas. Ça peut se faire. En plus c'est le même que tout à l'heure, 48 et 84, donc est-ce que ça a validé mon défi? Est-ce que ça a validé? Vérification. Suspense. Toujours pas. Ça n'a pas été pris en compte ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça donc? Bon, bah, c'est pas grave, je vais continuer, hein, tout simplement. Ok, donc là je vois un ennemi, en plus de ça, il utilise le canon. Donc c'est juste magnifique. Sauf s'il rentre dedans avant que je lui mette un petit 10. Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce qu'il va rentrer? Et c'est bon, il n'est pas rentré. Donc nickel. 190 de dégâts. Est-ce que ça a été validé? Toujours pas. Suspense. À mon avis, il bug un peu ce défi-là. Donc là, toujours pas été validé. Ok, c'est pas grave. Ok, donc j'ai un ennemi juste là. Logiquement, il va prendre sale. Voilà, il a pris sale. Éliminé à moins de 5 mètres, ça c'est bon, c'est fait. Mais c'est pas vraiment ça, ce défi que je voulais faire. Donc toujours pas validé, c'est incroyable ça quand même. Ok, il y a un autre ennemi juste là en dessous. Peut-être que c'est parce que j'ai déployé mon parachute trop tôt. Ok, 100 de dégâts. Voyons voir si c'est validé. Toujours pas. Incroyable. Je ne comprends pas. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un geyser. Ensuite, je cherche un ennemi et j'ouvre pas mon parachute. Hein. Je garde mon parachute. Enfin, il s'ouvre tout seul. Voilà, il s'est ouvert tout seul. Maintenant, je vais lui défoncer sa race à lui. Voilà, 100. Est-ce que ça va fonctionner? Non. What the fuck? Je pense que le défi est bugué. Donc voilà, en tous les cas, je vous ai montré comment faire. Là, il est bugué, donc c'est pas de ma faute. Mais quand il sera débugué, vous faites comme moi et logiquement, vous allez réussir votre défi assez facilement et assez rapidement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolmec et ciao. Peace! Yummy, bruh.